Shah Amarai è uno dei nove giornalisti uccisi in un doppio attentato suicida a Kabul. Il kamikaze si era infilato nel gruppo di reporter venuti a documentare l'esplosione della prima bomba. Shah Amarai con le sue foto raccontava da anni la tragedia dell'Afghanistan. Emmanuel Duparc era suo collega dell'agenzia di stampa France Presse e qui ricorda la sua passione. C'était un pilier du bureau, tout comme Sardar Ahmad, qui est un autre journaliste qui malheureusement a été tué en 2014. Ça fait en quatre ans deux piliers du bureau qu'on qu a perdu. Lui avait commencé en 96 comme chauffeur, et puis vers 98, il a fallu qu'il dépanne et il a pris quelques photos et on s'est aperçu qu'il était très doué. Avec lui, on savait que s'il si disait oui pour aller quelque part, qu'il n'y avait pas de problème. Si à un moment il disait il faut y aller. C'est que les risques devenaient trop grands. Euh, il n'était pas simplement euh, le chef photographe de l'AFP. Il était à Kaboul. Il était pour l'ensemble de l'Afghanistan. Donc, il était aussi la centrale euh, de renseignement pour tous les, euh, les pigistes photos à travers le pays. Donc, il était au courant de tout. Euh, donc, il y avait un, un profond attachement à son pays, une profonde volonté de vouloir témoigner pour pas qu'on oublie l'Afghanistan, parce que ça fait plus de 15 ans de. de de guerre sans discontinuer depuis 2001 et plusieurs décennies en ajoutant les autres guerres. Il riait de tout. Il riait de la société, il riait des, 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 des mollas, il riait des, des dirigeants corrompus, il riait de tout ce qu'il voyait dans la, dans la rue. Et c'était une manière pour lui bah, d'échapper de, de, à tout ça et de compenser. Et du coup, ça faisait beaucoup de bien à tous ses collègues. Ces dernières années, il était un peu plus amer. Par exemple, quand il est passé à Paris à l'été 2016, euh, il m'avait dit qu'il pensait euh, euh, toujours rester en Afghanistan euh, pour pouvoir continuer à témoigner, mais qu'il aimerait quand même euh, faire une pause de quelques mois, euh, euh, aller ailleurs juste pour échapper au climat qui devenait de plus en plus pesant, avec ses attaques incessantes. Et surtout, il était de plus en plus inquiet euh, pour sa famille et pour ses six enfants qui vivaient avec lui à Kaboul.